Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Allez, on se retrouve pour le donjon, la fosse de l'hérésie sur la lune en solo sans mourir. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu galère, notamment à l'étape après les ogres, hein. C'est vrai qu'avec le pylône c'est pour ma part le plus chiant. Mais bon, on est parti, donc là pour ma part je suis parti en chasseur avec les bottes de Morphée pour avoir trois lancers de trois flèches et vraiment être fufu un max possible, notamment sur l'étape où j'ai le plus galéré. Donc là, pour la première partie, je suis simplement parti avec un trésor asséché, un petit éclaireur et mon épée. Ça fait vraiment le taf de ouf, hein. Juste le trésor asséché suffit pour vraiment clean, pour ouvrir les portes. Et après, de toute façon, tout se fait avec la petite relique. De toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas ce petit donjon, bien évidemment que ce petit tuto complet, je vais vous expliquer toutes les strates. Donc là, si vous ne l'aviez pas vu, vous pouviez poser le petit drapeau. Moi, je pars directement à gauche. Je prends la dernière tour tout en bas. Et si vous faites attention, chaque tour aura un logo au-dessus. Voilà, le but, ça va être simplement, il y a sur trois logos, il y a trois boss différents. Donc une vigie qui, elle, pour la tuer, on va se servir de l'épée pour le coup, vous allez voir, avec la garde, et on va renvoyer les tirs. Il y aura une prêtresse. Que, elle, on va tuer simplement donc soit avec le coup, enfin le super, soit pour le coup avec une attaque spéciale. Voilà, on va envoyer le tir de l'épée. Et le petit chevalier qui, lui, on a smat tout simplement en coup normal ou alors avec le coup du super de l'épée. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'était donc la prêtresse. Donc là, voilà, je me casse étant donné que je n'ai pas l'épée, je ne peux pas la tuer car elles sont totalement immunisées. Hein, ces trois boss sont immunisés avec n'importe quel autre dégât. Après, voilà, la prêtresse, il y a de temps en temps deux prêtresses avec. Sur la vigie, il y a deux ogres avec. Et sur le chuchu, il y a plein de petits esclaves. Donc on tue le chevalier orange qui est à côté, vous voyez. Donc là j'ai la petite vigie avec le petit ogre qui est à côté. Donc en solo, voilà, on peut prendre le temps, enfin il faudrait prendre le temps pour le coup de clean voilà, les salles quand on va y rentrer avec l'épée, à savoir qu'une épée peut littéralement vous faire les trois boss. Après il y en a plein voilà, qui bombardent tout avec l'épée, comme ça, arrivé à la moitié ou au deuxième boss, c'est bon au troisième, ils rechangent d'épée, il n'y a aucun souci. À partir du moment où vous avez eu la première épée, les chevaliers qui vont vous la donner pop beaucoup plus souvent. Donc là, j'ai pas eu de bol, hein. C'était le deuxième, donc on continue, j'avance, donc là je suis à la porte A, hop, donc là on regarde, hein, le petit logo au-dessus de la porte, on clean tout, tranquillou, j'ai ouvert la porte et on va aller chercher la petite épée. Donc voilà à quoi ressemble le chevalier de l'épée. Et au-dessus, si vous faites attention, il y a toujours les trois runes qui nous indiquent les trois portes, pour le coup, à là où il y a les trois boss, tout simplement. Donc là, maintenant que j'ai l'épée, c'est parti, on y va, je repars aux deux portes que je connais. Après, je regarderai au fond de la porte, enfin, au fond de la salle. Regardez, donc là, juste là, vous avez les trois petites runes qui nous indiquent les trois portes à aller. Et à chaque fois qu'on va tuer l'un des boss, la rune va simplement disparaître. Une fois que les trois boss seront faits, on se retrouve au milieu et ce sera reparti pour de nouvelles explications.
Et voilà, l'étape 1 est terminée, on récupère le petit coffre qui malheureusement, rien d'intéressant dedans étant donné que ce donjon ne rapporte strictement plus rien. Donc arrivé ici, on va simplement regarder, allez, tout droit, on descend, il y a la petite lumière, vous pouvez passer soit au-dessus, soit directement au niveau de la lumière, de toute façon, c'est vraiment une grande porte. Donc là, faites attention à cette étape-là, surtout si vous voulez le faire en flawless, pour la simple et bonne raison, c'est que ça peut faire mal aux chevilles, étant donné que Destiny, on est très sensible des chevilles, vous pouvez vous les casser et ce serait dommage de perdre tout bêtement une vie comme ça. Donc, arrivé à cette étape-là, en fait, tout simplement, vous avez trois chemins, un à gauche, un au mid, un à droite, avec plein de petits passages, là, comme vous pouvez le voir en face, de petites portes qui sont fermées par une petite membrane de la ruche. Arrivé dans ces portes, en fait, il y a plusieurs salles. Et quand vous êtes dans une salle avec des mobs, vous avez le petit chevalier. Le petit chevalier, lui, va vous lâcher une boule justement qui va vous permettre d'ouvrir les portes. Donc une porte dans chaque couloir, donc trois. Et une fois que vous aurez validé les trois portes, elles vont simplement s'ouvrir. Et là, vous allez accéder à l'étape suivante. Allez, donc là, on est parti sur cette étape, pour ma part, la plus galère à partir du moment où ça s'est fait, c'est good. Donc là, je prends le petit Empereur des Rats fusion lance-roquettes avec holster de rechargement, ça marche assez bien. Et pour le coup, l'Empereur des Rats, c'est pour être encore plus souvent fufu, pour vraiment avoir des temps de recharge, des temps où je peux me mettre safe tranquillou. Donc le but va être en fait d'empêcher le pylône là, sur lequel je suis de se charger. Donc s'il se charge, voilà, en fait c'est wipe tout simplement. Donc sur la gauche, la droite et au mid, vous aurez un chuchu comme ça à buter jaune qui va vous lâcher une petite relique qu'il faudra aller claquer. Et tout ça, voilà, vraiment très rapidement, car il faut se remettre sous le poteau pour empêcher la malédiction de monter en puissance, car voilà, si elle monte, c'est mort. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de mobs. Il y a, à chaque fois que vous allez poser une boule, deux chevaliers qui nous me bombardent. De toute façon, là, vous allez commencer à voir les tirs, et ça va être de pire en pire à chaque fois, qui spawnent là sur les hauteurs. Donc si vous pouvez, faites-les. Si, voilà, vous voulez faire tranquillou, tranquillement, regardez, hop. Moi, je la joue fufu à fond et ça passe assez bien, notamment avec le holster de rechargement. Comme ça, je mets une roquette, deux coups de fusion et c'est bon, c'est parti. Je prends pas le temps de recharger étant donné que j'ai le holster, donc ça passe tout seul. Et regardez, je suis monté en puissance x4, donc je ne traîne pas trop. Je me mets au-dessus, je le bloque, hop, je claque la boule, je me remets fufu. J'attends qu'un autre chevalier spawn. Donc là, c'est un peu short, moi, de ma manière dans laquelle je l'ai faite, parce que voilà, j'ai vraiment pas cherché à tuer. Je la joue safe si possible. Après, c'est qu'il y a pas mal de grenades, on me tire dessus énormément. Ils bombardent à la dernière position à laquelle ils m'ont vu, donc c'est vrai que c'est assez galère. Mais full fufu, ça passe assez bien. Après, un arc à radiance.
Pourquoi pas, mais la radiance met du temps à se charger, donc il faudra obligatoirement faire du kill. Après, la stase, c'est vrai que ça gèle énormément d'ennemis, hein. La tourelle stase fait le taf de ouf. En titan, on l'a même en abyssal, je pense que ça sera très galère, hein, le temps que la bulle se recharge ou autre. Après, à voir, hein, en fonction de vos préférences, bien évidemment qu'avec tous les persos, c'est faisable, il faut juste voilà, trouver le build qui va bien. Donc voilà, on va se retrouver pour le coup directement après au boss. Hein. Je vous laisse avec cette étape-là qui est juste un petit peu longue plus qu'autre chose. Hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a la mécanique, vous voyez, ça va vraiment tout seul. Allez, on se retrouve au petit boss. Et non, on se retrouve pas au boss, on se retrouve à la pire étape, si je peux dire. Déjà, on commence, il y a la fameuse descente. Donc là, on fait très attention à pas se prendre les pics, parce que sinon, c'est la mort assurée. C'est une descente qui est assez relou quand on la connaît pas. Là, c'est vrai que j'ai stressé à mort, donc vous voyez, normalement, je descends d'une traite. Voilà, à force de le faire avec les rotations, on peut y descendre, mais c'est vrai que là, j'avais trop galéré. Mais bon, c'est pas grave. Donc cette étape-là va être un peu comme la première étape. Il y aura trois boss, donc là, c'est trois prêtresses à tuer. Il n'y a pas besoin d'avoir l'épée, tout simplement. C'est juste que c'est un grand labyrinthe avec voilà, des pics qui se baladent en lanterne de partout. Il y aura pas mal de snipers, donc attention. À savoir qu'il n'y a des mobs uniquement que là où il y a les trois prêtresses à tuer. Hein, donc si vous n'avez pas de mob, vous pouvez littéralement tracer. Donc c'est vrai que moi je l'ai fait sans utiliser la carte hein, que je vous mets juste actuellement. J'espère qu'elle pourra vous aider car c'est vrai que celle au milieu est assez relou à aller chercher. Vous allez voir, je serais que j'ai un peu galéré à le trouver. Mais bon, en soi, voilà, faut juste être à l'aise sur les sauts sur cette étape. Et après, réellement, ça passe assez facilement. Bon, je vous laisse pour le coup avec ça et on se retrouve pour le boss de fin.
Alors, du coup, ce boss de fin, donc là, petit arrêt sur image. Simplement, ça va être un peu comme la première étape. Donc, on va aller récupérer une épée qui sera vraiment au milieu, à côté du boss. Pour le coup, on part à gauche, à droite, en face, comme vous voulez. À savoir que à gauche, c'est le chevalier à tuer. À droite, ce sera la prêtresse. Et en face, ce sera la vigie. Donc, vraiment, la mécanique avec l'épée pour les tuer obligatoirement. Et quand on les tue, ils vont nous lâcher une relique et on va aller la claquer au milieu. Une fois que les trois reliques sont claquées, à leur emplacement respectif, bien évidemment, voilà, le boss va s'activer. Le boss, faudra juste faire gaffe. Il n'est pas compliqué, mais vraiment, faudra faire gaffe à ses flammes, car elles font quand même assez mal, même malgré qu'il soit vraiment en bas level, ça reste quand même assez douloureux. Mais pour le coup, le boss, à la fin de sa phase de DPS, il va planter son épée au sol. Et au moment où il va faire ça, vous avez que quelques secondes pour sortir du cercle au milieu. Si vous restez, voilà, ça explose, vous mourrez tout simplement. Et si jamais vous sortez de ce cercle pendant le DPS, il sera totalement immunisé. Donc voilà, il faut être assez proche. Après, vous pouvez tourner autour, hein, comme vous allez le voir, de toute façon, il y a le grand cristal au milieu, donc vous pouvez tourner. Attention, il y aura plein d'esclaves maudits également, donc toujours en l'air pour sauter. Vous voyez, hein, il y a largement la place pour tourner autour du boss, donc tranquillou, il n'y a pas de souci. Après, quoi vous dire de plus? Moi, c'est vrai que je l'ai fait au trésor asséché épée avec le super. Hein, là, le super faisait enfin, il fait toujours un max de dégâts dessus, c'est affolant. Et ça passe vraiment tout seul. Après, comme toujours, hein, si vous voulez des petits tutos en particulier, si vous voulez des coups de main ou autre, faites-vous plaisir, hein, mettez un petit commentaire ou alors ajoutez-moi directement, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous filer un petit coup de main, des petits conseils ou autre. Hein, faut surtout ne pas hésiter. Sur ce, bah, je vous laisse avec ce petit boss qui est, c'est vrai, assez long, mais en soi, vous verrez, quand on est à plusieurs, ça se fait extrêmement rapidement. C'est un petit donjon extrêmement fun pour ma part. Hein. C'est vrai que je le kiffe, il est magnifique. Enfin, tous les donjons de Destiny sont vraiment très beaux pour ma part. Mais bon, allez, sur ce, bah, bonne game à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.